Je m'appelle Marie B. Je suis institutrice de CM2. Et donc, je suis quelqu'un de très actif, qui a énormément de passions, la danse, le chant, les arts en général. Et ma première passion, c'est l'écriture. Donc, La vie funambule est un roman intimiste. Donc, c'est un roman qui raconte la vie d'une famille comme il y en a partout autour de nous, qui vit avec ses joies, ses peines, qui rencontre des difficultés un peu comme tout le monde. Et la vie de cette famille va être mise en péril par une annonce un peu tragique, dans le sens que Panina, qui est la sœur de mon personnage principal qui s'appelle Léonie, fait une tentative de suicide. Donc, Léonie, qui semble, en tout cas, qui croit connaître bien sa sœur, tombe un peu dénue et se dit « mais enfin, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, elle va partir à la recherche, donc essayer de trouver des questions à ce geste. Et elle finira par les trouver, mais ça ne se fera pas sans difficulté et sans douleur. Et à la fin de cette histoire, cette famille s'en sortira, mais pas tout à fait indemne. Donc, les changements interviendront sur le reste de la vie pour tout le monde. Le suicide m'a interpellée parce que je l'ai vécu avec des proches, mais mon livre n'est pas un plaidoyer sur le suicide, pas du tout. J'ai voulu simplement attirer l'attention sur la fragilité des relations humaines, le manque de communication. Alors nous vivons dans une société où la communication n'a jamais été aussi aisée, les médias aussi développés, et pourtant on se rend compte, quand on regarde autour de soi, que la communication n'a jamais été aussi difficile. Les gens s'isolent, aussi bien à cause de la technologie moderne, donc les tablettes, les smartphones, etc. Et on oublie vraiment de se parler d'âme à âme. Maintenant, on se parle par des intermédiaires et c'est un peu dommage. Et donc, il faut parfois qu'il arrive quelque chose de grave pour qu'on se rende compte, qu'on découvre une autre personne. Et je trouve ça dommage. Et au travers de cette histoire, je voudrais attirer l'attention là-dessus. Je pense que la technologie moderne, c'est une richesse, mais c'est aussi quelque part un fléau. C'est vrai que la cause de suicide maintenant est sans cesse en augmentation depuis les années 1970. Elle représente 15% des décès donc chez les jeunes, donc bien loin derrière les accidents de voiture, donc c'est quand même énorme. Et je pense que c'est dû en grande partie au fait que de l'insécurité. Chez les jeunes, on ressent beaucoup d'insécurité. C'est dû aux carences affectives, aussi des problèmes familiaux, un manque de confiance en soi. Et donc tous ces facteurs contribuent, je pense, à l'isolement, bien qu'on soit dans un monde où les médias sont vraiment au top. On n'a jamais eu autant de médias que maintenant et pourtant on se retrouve dans un isolement total dû à ces technologies modernes. Et je pense que le suicide, enfin en tout cas les tentatives de suicide, sont dues en partie à cause de cela. C'est vrai que mon monde est le monde des enfants. Je crois que je suis restée un peu un enfant dans ma tête et mon métier m'y aide puisque je suis institutrice. Mais donc j'ai été confrontée à un événement qui m'a beaucoup affectée, donc le suicide de quelqu'un de proche. Et donc au départ de ça, c'est un cri qui s'est mis dans ma poitrine et j'ai vraiment eu envie de parler de ça. Et je me suis dit, bon, au départ, non. Et puis finalement, je me suis dit, non, ça peut servir. Donc voilà, j'ai décidé d'écrire ce livre. Mais voilà, mon domaine de prédilection reste quand même les enfants. Donc, la vie funambule. En fait, il y a une expression qui dit « la vie ne tient qu'à un fil » et je pense qu'elle est très justifiée. Je pense qu'on est tous sur un fil durant notre vie et nous tanguons tant bien que mal selon les événements que nous rencontrons. Alors parfois on fait un faux pas et on tombe, parfois on se redresse, on n'a rien et parfois ça se finit plus mal. Donc je pense qu'on est, nous sommes des funambules et des équilibristes sur le fil de notre vie. Pour l'instant, j'ai déjà un autre roman qui est terminé, donc qui sera pour des jeunes adultes. Et donc, j'en ai entamé un autre. J'ai un recueil de poèmes publié, mais j'ai d'autres projets par rapport à la poésie, par rapport à un autre recueil de nouvelles aussi. Et donc, dans mes projets littéraires, il est bien évident que c'est écrire, écrire et encore écrire. Je veux dire, l'écriture pour moi, c'est comme le vin et le sang pour le Christ. C'est ma nourriture à moi et donc il est clair que je ne m'arrêterai jamais.
Ce que j'aimerais dire, c'est il ne faut pas avoir peur de plonger sous l'eau, les yeux et le cœur grand ouverts. La rencontre avec l'autre, dans toute sa nudité, est bien moins difficile à affronter que le sel des larmes quand il est trop tard. Alors je vous encourage à lire mon livre. Je suis certaine que vous verrez les autres d'une manière tout à fait différente après.